Mon travail de thèse consiste à analyser la construction au XIXe siècle d'une identité bohémienne naturalisée, construction qui a impliqué un tissu d'acteurs issus des mondes politiques, savants et artistiques. Alors cette identité bohémienne, elle tient en quelques stéréotypes bien connus, parmi lesquels le nomadisme, le lien étroit avec la nature, l'occultisme, la virtuosité musicale ou encore la propension au délit. Pour saisir les modalités de cette assignation identitaire, il est nécessaire de questionner l'histoire politique de l'Europe, marquée par le principe des nationalités, l'histoire de l'art et l'histoire de la science anthropologique contemporaine, qui ont convergé pour alimenter le mythe de la nation errante et ont pu conditionner les parcours biographiques des populations réunies, malgré leur importante diversité culturelle, sous l'ethnonyme de Bohémiens. Cet ethnonyme inclut notamment les Manouches de France et d'Allemagne, les Sinti d'Italie, les Gitans d'Espagne, les Roms d'Europe de l'Est, et ainsi de suite. Dans la généalogie de ma recherche, l'ensemble documentaire constitué par Paul Bataillard, resté jusqu'à présent quasiment inédit et que j'ai intégralement numérisé et inventorié, a constitué un point de départ plus que porteur. Bataillard, formé à l'école des Chartes, membre de la Société d'anthropologie de Paris et archiviste de l'école de médecine, est effectivement l'un des principaux initiateurs des études tziganes en France et, entre 1830 et 1890 environ, il collecte l'important matériau sur lequel il fondera ses analyses. Cet ensemble de documents est aujourd'hui conservé à la Central Library de Manchester et les 60 boîtes qu'il abrite témoignent que les leviers actionnés pour mener à bien cette enquête tziganologique ont été multiples et que la démarche de Bataillard se situe véritablement au confluent de l'histoire et de l'anthropologie. On y trouve divers questionnaires, dûment complétés par un réseau dense d'informateurs disséminés sur l'ensemble de l'espace européen, des éléments de culture matérielle produits par des populations bohémiennes, par exemple un ensemble d'objets forgés par des Roms caldéraches, mais aussi des données et des relevés anthropométriques, à l'instar de plusieurs échantillons capillaires prélevés sur les têtes des Manouches originaires des Vosges. Ou encore des documents iconographiques, en particulier des photographies, des gravures et des illustrations. L'image constitue d'ailleurs l'un des points cardinaux de ma recherche et elle peut alors avoir deux statuts qui se superposent parfois, celui d'œuvre d'art d'une part et celui de médiation technique de l'autre. En fait, la rencontre qui s'opère alors entre science et art se situe à deux niveaux. D'abord, les savants sollicitent les artistes pour contribuer par leur savoir-faire à l'entreprise naturaliste d'inventaire et de classification des races. Ensuite, les théories et les conclusions savantes nourrissent certaines œuvres de fiction, œuvres qui mettent en scène des personnages tziganes. À cet égard, le fonds Bataillard m'a permis d'élaborer le segment visuel de mon corpus. En effet, ces notes relatives à d'importantes figures de la vie artistique française entre 1830 et 1870 nous permettent d'interroger le rôle de l'iconographie dans la constitution d'un savoir anthropologique axé sur les physiologies, les mœurs et les costumes. Et parallèlement, la production de ces artistes dispense des informations sur l'imaginaire associé aux bohémiens. Pour Bataillard, les travaux de ces derniers, exécutés d'après modèles vivants qui consentent à ces mises en scène, sont en tout cas pourvus d'une valeur ethnographique. Nous sommes ici à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, qui conserve dans ses fonds un certain nombre de productions figuratives significatives que l'on pourrait situer au carrefour de l'entreprise d'objectivation savante et de propositions poétiques. Alors je me réfère en particulier aux dessins et aquarelles exécutés par Théodore Valério, réunis au sein de deux carnets que cette institution conserve. Valério gagne les provinces danubiennes au début des années 1850 et il rapporte de ce voyage un riche portefeuille de croquis et d'aquarelles qui dépeignent les populations rencontrées, parmi lesquelles des tziganes. Quelques années plus tard, il publie des essais ethnographiques dans lesquels il précise le sens de sa démarche qui s'apparente selon ses termes à l'archivage. On est dans les années 1850 et la problématique du métissage préoccupe les naturalistes qui se donne pour objectif de répertorier les types jugés originels. Ces travaux, parmi d'autres, sont donc intéressants à plus d'un titre. Non seulement ils invitent à ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de l'anthropologie, étayé par les études visuelles, mais ils engagent également à nourrir l'histoire de l'art, des sciences politiques et anthropologiques. Je remercie donc l'ABEX Aztec, le Centre Alexandre Coiré et le HESS, qui, par leur esprit transdisciplinaire, me permettent de poursuivre cette recherche. Thank you.